pas un seul procès? En fait, c'est ça, c'est que Maya, il faudrait que je fasse en version Hermione Granger. T'appelles ça jeter un sort? Oculus Reparo. Nicolas Flamel. Vous ne le connaissez pas? Il fera tout ce qu'il peut pour que je sois reconnu coupable. Tout. Des fois, Hunter, t'as une sale gueule, hein, dans certains splash art. Je suis désolé, hein, mais... T'as vraiment une sale gueule par moment. Soit t'es tout droit et t'es beau gosse, soit t'es de demi-quart et t'as l'impression que t'as un double menton. Ou alors tes yeux sont trop petits, je sais pas. Franchement, t'es bien quand t'es de profil, enfin en trois quarts en train de pointer ton doigt en disant objection et tout. Ça, c'est stylé, tu vois. Mais là, t'es dégueulasse. Je parie qu'en pixel, serait encore mieux. Mais ça me fait penser à quelqu'un d'autre, Hunter. Vous ne comprenez pas. Je veux dire qu'il fera vraiment tout. Manfred Von Karma est un homme redoutable. Écoute-moi bien, on a fait le samouraï d'acier, c'est pas maintenant qu'on va tomber, hein. Tu parles d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des preuves? Oui! Il m'a appris le sens de l'expression « poursuivre en justice ». Ok? Imaginez juste un avocat aussi vicieux que moi. Multiplié par 10. Oh! Alors, c'était votre professeur, monsieur Hunter? Sensei, on peut dire ça comme ça, oui. Et maintenant, il cherche à vous faire condamner? Quel sale type! Mais en fait, il envisage peut-être de prendre volontairement votre... Il envisage peut-être de perdre volontairement pour vous aider. Aucune chance. Il n'a jamais perdu en 40 ans. 40 ans. Il est aussi impitoyable que moi. Multiplié par 20. C'est pas par 10 à 2 minutes? Donc très impitoyable en effet. Je vous l'ai dit, c'est un dieu de l'accusation. Un peu ce que Mia représentait pour moi, d'accord. En parlant de Mia... Maya? Hmm? On aurait besoin de l'aide de Mia là maintenant, tu comprends pas? Oh! Laisse-moi deviner. Sous prétexte qu'elle n'est pas allée sous une cascade, elle ne peut pas l'invoquer? Je ne peux pas. Désolé, j'ai vraiment essayé, mais impossible d'entrer en contact. Impossible d'entrer en contact? Je crois que c'est parce que je ne suis pas entraîné! Putain de climax! J'en suis sûr et certain. Il y a Phoenix qui va prendre un seau d'eau en plein tribunal, il va le lancer à la gueule de Mia, vas-y! Maya, pardon. Mes pouvoirs ont diminué. Seiya! Ah ben non alors, c'est... Ah ben non alors, c'est pas le moment! Je suis vraiment désolé. Je ferai de mon mieux. Ah, je perds bien! Oh, mais Phoenix, t'as aucune race, putain! Compte pas que sur elle! Mais qu'est-ce que vous manigancez? Oh, rien! T'inquiète! Oh, c'est l'heure! Allons-y! On se tait tous dans le chat! On est tous prêts! 26 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Et Chinesh, je suis encore là. Pauvre Maya, il veut que les appels. Ah non, mais c'est vraiment, il a aucune race, hein, Phoenix. Depuis qu'il sait qu'il y a que Maya, il est en mode bon, tu peux l'appeler ou pas? Oh là là. Je déclare séance ouverte pour le prochain de Monsieur Benjamin Hunter. Et tu as dit quoi, Benjamin? Benji? Je vous ai foutu. La défense est prête, votre honneur. Il a quelle gueule, le mec? Ouf. Monsieur Von Karma, l'accusation est-elle prête? Oh putain, je sais même pas quelle voix je vais faire à lui.
Monsieur Pontin. Ronald Wesley. Oh, imbécile. Imbécile. Oh, imbécile. C'est bon, je le tiens. On a notre personnage. Vous pensez sérieusement que je vous serais représenté ici sans être parfaitement préparé? Ah non, ça sonne trop avec l'autre. Rogue, il a quelle voix? Attendez. Histoire de... Votre père était un salaud. Je suis un sujet droit, machin, machin, premier cours de Harry Potter. Ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés. Néanmoins, vous pensez sérieusement que je me serais présenté ici sans être parfaitement préparé? Monsieur Phoenix, que faut-il? La potion de polynectar, le polynectar. Ouais, je le tiens à peu près, voilà. C'est un rogue. Le rogue de Wish, voilà. Donc, ça colle très bien au personnage, voilà, voilà. En effet, je m'excuse. Il fait même peur au juge. Très bien, votre délégation préliminaire, je vous prie. Des preuves décisives. Mais non, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas, hein. En fait, il fait très théâtral. Donc, des preuves décisives. Non, des preuves décisives. Non, des preuves décisives. Non. Je peux leur apprendre. Je peux leur apprendre. Je peux leur apprendre. Mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même enfermer la mort. Dans... Et je peux même leur apprendre à distiller le bonheur et à enfermer la bouteille dans la mort dans une bouteille. Dans un flacon. Dans un flacon. En ville. Il y a quelqu'un qui sait tout. Cela étant, je suppose. Que certains sont venus à Poudlard. Ok, je le tiens un petit peu, on va rester comme ça du coup. Un témoin décisif. De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin? Rien, bien entendu. Cela devrait suffire. Eh oui, je suis le prince sans mêlée. Votre père était un salaud. Quand t'as que ça, moi. Accueillez les gens, peuvent appeler son premier témoin. Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a du sang royal ou quoi? Oui. Et oui, je suis le prince de sang mêlé. Timing parfait. Merci, Charles. Comment je suis censé affronter un truc pareil? J'appelle l'officier chargé de cette affaire. L'inspecteur détective. Bon, détective, témoignons premier. Voyons comment ça va se passer. Incroyable. Ah franchement, c'est ouf, hein. Décrivez l'incident maintenant. Oui, monsieur. L'inspecteur détective a l'air nerveux. Examinons ensemble la carte, voulez-vous? Hologramme. Oh putain, on a un plan, ça faisait longtemps. Le meurtre a eu lieu le soir du réveillon de Noël aux alentours de minuit. Prenez des notes dans le chat, hein. Bon, ceux qui savent, bien sûr, genre Gandalf. Il y a une barque en plein milieu du lac. Sous cette barque se trouvaient deux hommes. Or, il se trouve qu'une femme campait là, sur les berges du lac. Ah putain, mais c'est vraiment à côté, je pensais que c'était à l'opposé en fait. D'accord. À minuit 10, elle a entendu deux coups de feu. Deux. Puis, la barque a commencé à repartir. Elle s'est dirigée vers la boutique de location. La barque, hein. Un plan aérien ajouté au dossier de l'affaire, ok. Décrivez l'arrestation à la cour. Maintenant. Attendez, monsieur Von Karma, Oui. En fait, c'est moi qui suis censé diriger la séance. Vous n'êtes que avocat. C'est moi qui donne les points à Gryffondor. Faux.
Vous n'avez qu'une seule chose à faire ici. Vous donnerez un coup de marteau et prononcerez le mot coupable. Voilà votre rôle. Oh. Oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Oh la vache! Mais comment il se fait pas respecter, le vieux? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il a tort, mais bien sûr qu'il a tort. Bon, comment vous t'affions? Un homme a appelé au poste vers minuit et demi. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible. On rappelle que le meurtre a eu lieu à minuit et quart. Heure indéterminée, ouais, c'était vers minuit 50 qu'on a prise, voilà, minuit 5, minuit et quart. Minuit et quart, c'est là où il y a eu la photo qui a été prise parce que l'appareil photo a entendu un bang. C'est là que nous avons trouvé Monsieur Hunter. Attention, je n'ai aucun soupçon sur lui, hein. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Nous avons donc dû arrêter Monsieur Hunter. Ok. Je vois. Très bien. Avocat. J'ai fait une voix de Terminator, là. Avocat, commencez votre contre-interrogatoire. Maintenant. Je suis pas du tout en train de me pisser dessus. Franchement, il me fait peur. Hein. Option, deux secondes, on va sauvegarder. J'ai pas envie de faire de bêtises avec lui, là. Oh, je sens trop mal, vraiment, je sens turbo trop mal. Appelé au poste vers minuit et demi. Ok. Ok, on va le faire parler. Hein. Vous avez reçu un appel d'un homme? Ouais. Vous avez dit que c'était une femme qui campait là-bas? C'est bien elle qui a entendu les deux coups de feu, non? Objection! Cette femme et l'homme en question sont deux personnes différentes, bien entendu. Des personnes différentes? Mais qui est con, putain! Il y avait deux témoins. Toutefois, leur témoignage concorde. Aujourd'hui, j'ai appelé à comparaître la femme qui campait près du lac. La femme qui campait près du lac, elle va causer soucis, ouais. Que s'est-il passé ensuite, inspecteur? Nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible. Combien de temps s'est écoulé entre la réception du rapport et votre arrivée au lac? Eh bien, je vous dirais environ 3 minutes. Ce serait rapide. Notre devise, du moins, c'est arriver sur les lieux rapidement. Oh putain! Inspecteur, épargnez-nous les secrets inintéressants de la police. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Obtempérez et vous pourrez respirer un geste lors de la révision de votre salaire. Il y a tant de choses que j'espère ces temps-ci. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Poursuivez. Oui, monsieur. Il fait peur. C'est que nous avons trouvé Monsieur Hunter. Dans quel état est Monsieur Hunter comme vous l'avez vu? Oh, eh bien, quand je l'ai vu, il avait l'air assez calme. Pas du tout l'attitude d'un meurtrier, hein. Inspecteur, la cour demande des faits, pas votre opinion. Depuis combien de temps faites-vous partie de la police? Mais il a le fou, il est... Discord? Oh non, 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 non. Ça dure 30 secondes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah non, tu peux pas me couper en plein élan, là. Oh, ça marche pas. Allô? En plein procès? Phoenix? Hein, Phoenix? Phoenix, quoi? Discord.
Ça dure 30 secondes, ça va. Oh, regarde, Didi vite fait. Et on se colle, hein. On se colle. Fortnite après. Quoi, c'est tout? Le mec, il nous balance un putain de Linkin Park, on a même pas la suite. Ah, il dit Tokusha, moi j'ai compris Kakawabonga, je... Ouais, non, mais 30 secondes. Ça dure 30 secondes, ok. Bah, c'est... ok. Voilà, t'as fait ton coup d'un soir, titre. Bah, vous savez quoi, j'en profite du coup que... il nous a arrêté dans notre élan pour... votre honneur. Oui, on va faire bibi, s'il vous plaît. Eh bah, du coup, pipi, on revient dans un instant. Les crédits les moins rentables que j'ai utilisés. Oh non. Ça m'a fait plaisir quand même. Je reviens dans un instant. À de suite. Je fais vite, hein.
Ok, c'est parti. Monsieur Longuetron. C'est moi. Elle est tombée sur le sol, sur le dos. Donc, où est-ce qu'on a été ? Attendez. C'est ça. Ok. Ah, en plus sur du shadow. Oh merde. Oh vraiment là. On va lui péter la gueule au mec là. C'est bon. C'est toi, Yankee. Non, je vous ai augmenté ça, merci. Ah mais depuis le départ c'est en bas. Attendez, si je attendez, j'ai compris un truc là. Depuis ça a jamais été à fond. Désolé, je découvre que mon jeu n'a jamais été à fond depuis le départ en fait. Putain, mais je vous disais aussi, le son était bien bas avant un moment. Ok, je suis choqué. Bon, on reprend les affaires. Des faits, uniquement inspecteur, des faits sûrs, concrets et objectifs. Et monsieur ? Eh ben, il a eu sa part d'objection. Il a eu sa part d'objection. Merde, pardon, on vient. Attention, j'ai aucun soupçon pour lui, pardon. Pourquoi ne l'avez-vous pas soupçonné ? Vous devriez le savoir. Nos relations avec les avocats sont ancrées dans le temps et la confiance. Oh ta mère. Inspecteur, la cour n'est pas intéressée par vos divagations. Ancré dans le temps, confiance, baliverne. C'est la première fois que j'entends un inspecteur de police dire autant d'âneries. L'inspecteur Tétive n'a pas l'air dans son assiette. Non. Fumez. Maintenant. Mais il est chaud. Et le matin suivant, on a découvert le corps de... Ouais, d'ailleurs. Avez-vous trouvé des indices sur le corps ? Une seule balle a été extraite du corps, j'en ai pas lu. Elle a transpercé le cœur, ce qui a été fatal. Juge, voici la balle que j'avais dans ma poche. Elle est tombée sur le sol, sur le dos. Elle est tombée sur son sol, sur le dos. Elle est tombée sur le sol, sur le dos. Elle a joué un accord ? N'essayez pas d'embrouiller. Projection. Projeter. La victime est tombée sur le sol, sur son dos. Mais d'accord. Cook. Ah. Bon, voilà, ref, bien sûr, les enfants. Hein. Elle n'a touché aucun os. Donc sa forme initiale est bien conservée. Ah, très bien. Le tribunal accepte cette balle en tant que pièce à conviction. Bizarre quand même. Ils ont donc arrêté Monsieur Hunter. Moi, ce qui me perturbe, c'est que... Ils ont vu Hunter ce matin. Il est parti. Dès qu'ils ont repêché le corps, ils ont arrêté Hunter, mais pas les voisins... Enfin, pas la meuf ou quoi. C'est bizarre, hein. De quoi ? Nick, tu trouves pas que c'est un peu vague ? Je crois que Von Karma lui a écrit tout son texte. Mais non. Son témoignage est sûrement plein de mines sur lesquelles je vais sauter à pieds joints. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On serre les dents et on attend, je crois. Que peut-on faire d'autre ? Tiens, dis, Nick. T'es trop fort. Deux secondes. Là. Mais pourquoi ça ? Eh bien, nous avons trouvé l'arme du crime dans la barque. L'arme du crime ? Un revolver. Inspecteur Objective, cette information est essentielle. Veuillez modifier votre témoignage. Excusez-moi, votre honneur. Une fois que l'autre a rien dit, l'arme du crime que nous avons trouvée dans la barque est une preuve décisive. Mais qu'est-ce qui fait que ce revolver est une preuve décisive ? Potter. Il a le même rire que... Le même rire maléfique que Hunter, merde. Le revolver trouvé dans la barque portait des empreintes digitales.
Les empreintes de la main droite de Monsieur Hunter. Oh putain. Et que silence. Oh, silence. Donc les empreintes de Monsieur Hunter étaient trouvées sur l'âme du crime. Oui, votre honneur. Juge, voici l'arme en question. Accepté en tant que pièce à conviction. Non, l'avocat, il même pas dit c'est une pièce à conviction. Il le pointe, il dit c'est une pièce à conviction maintenant, d'accord. Et on va bien ajouter au dossier de l'affaire. Membre de la cour, nous disposons maintenant du revolver du crime et de la balle trouvée dans le corps. Inspecteur. Oui, monsieur. La balle qui a été trouvée dans le corps provient-elle de ce revolver? Oh oui, les empreintes balistiques que la balle correspond, correspondent au revolver, oui, oui. Nick, qu'est-ce que ça veut dire, les empreintes balistiques? Incroyable, monsieur Potter. Incroyable du cul, monsieur Potter. Pensez que quelqu'un ici ne connaît pas le concept de base. Nick, il me fusille du regard. Ah bah fusil, pistolet, on y est, hein. Ah, très bien. Je vous explique. En fait, juge, c'est à vous d'expliquer. Hein? Mais oui? Et pourquoi? Non, j'étais bien avec mon marteau, mais je veux pas travailler, non. Oh... Les empreintes balistiques sur les marques laissées par une marque à feu. Les armes à feu, pardon. Je vais parler avec ma barbe. Le canon laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. L'examen balistique permet de savoir quelle arme provient d'une balle. C'est une technique très précise. En effet. Ceci m'amène à une conclusion inévitable. La balle trouvée dans le cœur de la victime a été, sans aucun doute, tirée par ce revolver. Ce revolver qui, je vous le rappelle, portait les empreintes de l'accusé. Silence! Il parle! On est obligé de se taire! Ça s'annonce mal. Tout ça laisse vraiment penser que Hunter est coupable. Sans déconner, Sherlock! Eh bien, juge, où sont mes points pour Serpentard? Je dirais que c'est presque décisif, en effet, presque, hein, mais honnêtement, je pourrais prononcer un verdict très dès maintenant. Toutefois... Vous souhaitez, sans aucun doute, entendre le témoin. Très bien. Je suis quelque peu las. Je vais donc faire une petite pause. J'appellerai mon témoin après la suspension d'audience. Il durera 10 minutes. Juge ! Oui, je suis là. Attendez-vous. Une suspension de 10 minutes. Maintenant. Mais attendez, je... Allez. Tapez un coup avec votre marteau ridicule. J'attends. Oui. L'audience est suspendue pendant 10 minutes. Je vais changer ma couche, moi. Je me demande qui commande ici. Ça va être tendu pour trouver un bon argument, parce que déjà que le samouraï d'acier, j'étais pas tip-top, mais alors là... Décembre, 11h09. Pourquoi cette page encore ouverte? 26 décembre, 11h09. Tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Oh merde. Oh merde. Attendez. Il y a un problème. Patrick, pourquoi ça marche pas? Faut mettre le câble bleu. Celui-là. Comment ça, pas lui? Je suis daltonien, connard. Celui-là. Super, ça marche. Merci, Patrick. 26 décembre. 11h. Bah, vous avez lu, quoi, merde. Hunter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vos empreintes se trouvaient sur l'arme du crime. Euh...
Et cette photo floue confirme une chose. La seule personne qui a pu abattre cet homme est celle qu'on voit sur la photo. C'est vrai, c'est vrai. Était-ce vous dans cette barque? Oui. C'était moi. Oui. Quoi? Mais... vous devez me croire. Je ne lui ai pas tiré dessus. C'était qui alors? Je ne sais pas. Quoi? Et quelqu'un d'autre? Vous ne le savez pas? Et vous étiez là, pourtant là, non? J'ai entendu un coup de feu, ce qui venait de très près. J'ai vu, j'ai entendu, mais je ne dirai pas qui c'est. Puis, l'autre homme est tombé de la barque. L'autre homme? Je ne sais pas pourquoi, mais... à ce moment-là, j'ai cru qu'il s'était tiré dessus. Vous voulez dire que c'était un suicide? C'est la seule explication que je puisse trouver. Ah! Comment vais-je convaincre quiconque avec ça? Comment vais-je convaincre quiconque de ça? Elle voulait en parler. Si Maya. Hein? Quoi? Es-tu noué avec Mia? Oh! Désolé, ça ne marche pas. Oh, j'ai une petite bouille là! Zut! En anglais, shit! Je sais! Je ne sers à rien, Nick, pas vrai? Oh non, Bébou! Bébou, non, Bébou! Si j'arrive pas à appeler ma sœur autant que je m'en snaille, non, tu ne crois pas? Non, mais non, non, c'est vrai que tu ne sers à rien. Oh là 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 là. Oh, non, mais non, tu restes! J'ai besoin de toi! Bien sûr que non, j'ai besoin de toi ici! Je sais que tu essaies toujours de te rendre utile. Même si tu ne m'aides pas vraiment, mais c'est l'intention qui compte, non? C'est bon, Nick. Je n'ai pas besoin de me remonter le moral. Oh non, Bébou! Je n'y connais rien en procès. Pas plus en défense. Phoenix, gros chien. Bah non, non, mais non. En plus, j'ai une voyante qui n'arrive même pas à entrer en contact avec les esprits. Mais non, mais non! Oh, mais tout le monde a des jours sans. Mais oui, voilà. Je veux dire, j'ai eu de la chance ces derniers temps. Mais on ne sait jamais quand la roue va tourner. Vrai. Oh, wow, 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 right. Ne portez pas plus la poisse à cette affaire. C'est mauvais pour mon cœur. Pardon. Oups. On peut... Monsieur, je reprends. Monsieur Von Karma, appelez votre témoin. Oui. Oh, ça va chier. Oh, ça va chier. Oh oui, il est minuit. Alors, attendez, je me prends une grosse corvée. Ah, je vais me régaler. J'appelle Madame Mademoiselle Eva causer souci à la barre. En fatch, c'est moi, je suis rentré. Eva causer souci. Vous faites de la recherche dans une université, n'est-ce pas? C'est exact, hein? C'est ça, hein? Bien. Commencez par nous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident. Et n'ajoutez rien de futile ou de subjectif. Compris? Ah, je sais pas ce qu'il dit, lui! En bonne mère? Vous pensez que vous avez pris bonne manière, vous? Alors, dis bonjour d'abord! Je sais quoi. Compris? Ouais, ouais, j'ai compris, c'est bon, c'est bon. Pas de chier. Très bien, vous trouvez vos témoignages, je vous prie. Ok. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. J'étais dans ma voiture parce qu'il faisait froid d'ailleurs, parce que ça caille. J'ai entendu un gros bang, ça venait du lac. Quand j'ai regardé sur la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Et puis il y a eu un autre bang. Il y a eu deux bangs du coup, ok. Il y avait rien d'autre sur la barque sur le... Il y avait rien d'autre que la barque sur le lac. J'ai pas compris. Ça suffit. Hein? Juge. Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident. Voici cette photo. Acceptez-la en tant que pièce à conviction.
Père, je te jure, tes 40 ans de justice, là, je vais te les remballer dans ta gueule. Oh eh bien, quelle surprise. On dirait le moment exact du meurtre. Mais, laissez-moi deviner, le juge est pas censé s'intéresser au dossier avant chaque audition? Genre un petit peu savoir ce qui se passait et tout, les pièces à conviction, qui c'est qu'on va juger, l'état, etc. et tout. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, le juge, c'est le chat de Twitch en mode « Yeah ! Une photo, regardez ! J'ai l'impression que c'est lui le tueur !» Mais votre honneur, c'est lui le tueur en fait, c'est lui qui tenait l'arme. « Eh oui, on dirait le tueur, t'as raison !» Silence ! Je fais sortir de la salle pour si je ne dirais pas le silence. Comme le témoin l'a dit. C'est la street, le juge. Mais c'est ça, c'est un mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment, c'est le juge en mode. Mais j'étais vu le marteau ? Encore ? D'accord, ok. Comme le témoin l'a dit, elle a regardé vers le lac quand elle a entendu le coup de feu. Il n'y avait pas d'autre barque sur le lac. Donc, l'homme dans la barque, avec la victime, est forcément celui qui a tiré. Oui, c'était l'accusé, Benjamin Hunter. Non mais silence ! Je n'ai pas compris que quand il parle, on ferme sa gueule ! Oh ! Ah non, Potter. Les preuves sont décisives. Et je répète d'autres concernant cette affaire. Hein ? C'est quoi ? Mais t'es quoi ? C'est très bien qu'on déclare accusé que... Oh putain, heureusement, j'ai pas compris, j'ai eu peur. Oh la vache, tu es fou, attends, j'ai eu peur. Instant, entraîneur. C'est moi qui parle. Instant. J'ai pas encore interrogé le témoin. Un contre-interrogatoire. Nous avons une preuve photographique. Quelles questions pouvez-vous poser? Cette photo vaut 1000 réponses. Qui disent toutes coupables. Vous dites une phrase à la Kazuma sourire. Vous avez perdu. Ou prétendez-vous avoir trouvé une contradiction dans son témoignage? Tenez. Très bien. Si vous y tenez, vous pouvez interroger le témoin. Vous ne ferez mieux de patauger et poser des questions insensées. Vous n'arriverez à rien, Monsieur Potter. Et le bonsoir, Alexis. Ensuite, je vous ferai poursuivre pour outrage à la cour. Comment ça va ? Nick, outrage ? Outrage au désespoir ? Outrage à la cour, tu sais ? Je crois comprendre. Alors que vas-tu faire? Je pense vraiment que son témoignage était en contradiction avec les faits, mais bien sûr que oui. Je pense avoir remarqué une petite chose. Oh, je suis impressionné, Nick. Mais moi, je n'ai rien vu. Allez, à l'attaque. Oh, on va se calmer. Hein. Un JDAC Toulouse Lake. Oh. Je comprends. Je vais interroger le témoin. On veut faire la vedette, Potter. On va se retirer, je prie que ce ne soit pas une perte de temps. Oh, mais même lui, il est en mode mi-budget. Merci à notre MJ patron. Ouais. Là, en vrai, je suis en stress, hein. La veille d'un année, juste après-midi, je crois bien. On a peur, Potter. On va appeler sa maman. Ah ben non, c'est vrai. T'en as plus. Mon père dirige l'école de Serpentard, tu savais pas? On a peur, Potter. Draco. J'aimerais tellement faire la voix de Harry Potter dans la version PS1. Pas la version... La maison des sorciers, je sais pas, on dit pas, tu vois.
Parce que Harry, il a une... Enfin, la VF de Harry, il a une voix particulière, en mode Draco. Il dit le O. Il dit pas Draco, il dit Draco. J'arrive comme une fleur en plein interrogatoire. Alors, je fais un giga résumé de La Mort qui tue. Hunter, notre rival de avocat qui était dans les deux premières affaires, se retrouve au cœur d'un assassinat. Apparemment, c'est lui le tueur apparemment, il aurait tué quelqu'un le soir de Noël dans une barque. On a retrouvé des empreintes sur l'arme du feu très français. L'arme à feu et la balle provient justement de cette arme à feu en question. Donc du coup, pour l'instant, il a l'air coupable. Sauf que du coup, il y a une petite liaison, puisqu'en fait, le cas de Hunter est lié à une affaire qui date du tout début du jeu, qui est liée du coup à la mère de Maya, mon associé, quoi, qui est juste à côté de moi. Et du coup, là, on est en train de faire des témoignages, et le mec en question, il s'appelle Karma, et ça fait 40 ans de justice qu'il a jamais été détrompé, quoi. Et il est hyper autoritaire, donc du coup, c'est pour ça que je lui donne une voix un petit peu à la Rogue de Wish, et il y a Eva Cause et Souci, c'est ma copine du coup, parce qu'elle vient du sud, voilà. Il avait un bon karma jusque là, ah non. Non, il a jamais perdu un seul procès, et je suis en stress. Hein. L'affaire est super intéressante, je suis à fond dedans moi. Quoi? De quoi? Attends, dis Sélénix, si seulement ma soeur était là. Maya prend vraiment ça très à cœur. Ben oui. C'était la veille de Noël, bon, on va faire parler. Juste après minuit, vous dites? Autrement dit, ce n'était pas... Enfin, ce n'était déjà plus la veille de Noël, mais le jour de Noël. Hein? Ah ouais, excuse. Je sais que vous cherchez à trouver des contradictions, Potter, mais quand même... Right, Potter. Sinon, c'est Joseph, mon deuxième prénom. Potter, ta gueule. J'espère que la suivante sera un peu plus pertinente. Témoin, pensez à votre disposition. Mais il est de quel côté, le juge? Je comprends rien, moi. J'étais dans ma voiture. Pourquoi campez-vous dans cet endroit? Eh bien, je faisais des recherches pour la fac. Là, je prenais des photos pour les recherches. Quelle recherche? Tout cela me paraît bien louche. Ben oui. Mademoiselle se cause des soucis. Pourriez-vous être plus précise au sujet de vos recherches? Quel rapport entre notre affaire et la raison pour laquelle le témoin campait? Petite bête, c'est censuré! Phoenix, quand il cherche la petite bête, ça nous tue. C'était pas la vieille de Noël, mais c'était Noël. Non, mais à chaque fois. Hein. J'aime les calembours. Non, mais la VF de ce jeu est masterclass. Hein. Non, mais oui, vraiment, c'est toujours comme ça, Phoenix. Hein, La réponse est aucun. Je proteste contre ce genre de question. Objection accordée. De quoi? Un acheté, c'est à moi de dire ça. Eh bien alors dites-le. Objection accordée.